Ça, c'est manquer le caractère. Un sacerdotal ne doit pas manquer le caractère. Voilà, ces livres sont à vendre là-bas. Tu peux prendre le livre. Il y a des syllabus. Et j'attends vos questions. Lorsque vous avez des questions, veuillez nous écrire la question. Et l'organisation le prendra pour me le faire parvenir. Vous savez, il y avait des mauvais esprits qui animaient certaines conférences. Je suis parti dans une contrée où il y a trop de conférences, mais les gens ne changent pas, n'évoluent pas. Je vais poser la question pour moi. Ça veut dire que lorsqu'il y a des conférences, il y a des gens qui mobilisent des groupes de contestateurs. Et que là-bas, ils ont un esprit. C'est comme si quelqu'un avait de la valeur lorsqu'il présentait l'autre comme étant faux. C'est vraiment un grand esprit géant de blocage. C'est comme ça que les gens ne voulaient pas dans l'aéropage. C'est l'aéropage. C'est là où les gens se retrouvaient. Lorsqu'il y avait une nouvelle doctrine, il y avait une nouvelle connaissance, l'autre vient débattre dans l'aéropage. Il y avait les sadducéens, les épicuriens, il y avait les hellénistes. Il y avait la guerre de la science divine. Et ça finissait par des bagarres. C'est comme ça. L'apôtre Paul a affronté l'aéropage. Il a compris avec ces gens, et si je perds mon temps, il est allé là où il devait voler, là où il devait communiquer. Il y a des gens qui ne viennent pas dans l'esprit de recevoir. Il vient dans un esprit de contradiction. C'est comme s'il vient pour vous attraper. Mais au Kangabamo, il vient dans cet esprit-là. Il sera toujours au bas de l'échelle. C'est manquer la noblesse. C'est pourquoi même quand il y a des vérités, lui ne voit pas ça. Il y a 10 vérités qui passent. Il n'est pas concerné. Moindre chose qui trouve un peu d'ambiguïté, c'est là qu'il se réveille. Tu vous avez dit quoi? Oui, ça va. Mais dans l'entretemps, il y a une autre chose qui ont été dites, qui ont été dites, qui avaient été édifiantes. Quand tu fais de ça, est-ce que faudrait-il faire les agitations pour rentrer dans les choses sacrées? Que Dieu nous aide à changer nos esprits et à vivre le vrai. La vraie spiritualité. Merci beaucoup, nous sommes dans le code de la spiritualité. Nous avons 20 jours. On est dans notre troisième jour. Il nous reste 17 jours. Je vais travailler sur la définition, j'ai fini tout. Je vois aujourd'hui, je prends quelques exigences. À partir de demain, cette école prend une autre tournée. Celui qui rate la science de demain, je ne sais pas s'il va se retrouver à vous. Parce que demain, je commence à vous présenter l'origine de la spiritualité. Satan est là, il a des origines. Les forces du mal sont là, ont des origines. Les mondes des eaux de sirène ont des origines. Il n'y a aucune spiritualité qui marque des origines. Ils sont toujours des origines. Qui a dit amen? Et demain, nous commençons sur les origines. Ça vient d'où? Comment ils sont arrivés là? Et quand on va vous présenter les origines, on va présenter le fonctionnement. Et nous commençons à présenter les plans. Et un jour, on va parler seulement du ciel. Et un jour, on touchera la terre. Ça fait pas les mêmes deux jours. Et un jour, on va prendre les eaux. Là, on va présenter l'eau comme un espace, comme un élément, comme un esprit. Et on va les voir dans les scriptures. Et il y a un jour ou des jours où on parlera seulement des mondes des morts. Ce qui fait peur aux églises de réveiller. Il n'accède pas le monde. J'étais à un moment donné ici. Le premier avant le date de faire même un séminaire, une école, une conférence
qui avait pour thème la géologie. Il faut voir comment cette église éveillée s'attaquait à ça. Comment la géologie compte? Alors que nous sommes avec elle tous les jours. Si on doit apprendre le Saint-Esprit, on doit apprendre la repentance. On doit connaître tout. On doit même apprendre la démonologie. Mais pourquoi pas la géologie? C'est choquant. On voit que le diable n'attaque pas seulement comme ça, mais quand le diable est dangereux, quand il attaque de deux manières. Non, le diable devient dangereux quand il attaque de deux manières. Première manière, lorsqu'il attaque en endormant l'église, et les gens sont dans la confusion. Non. Comme ici, l'antichrist rentre. C'est comme si l'église est dans le profond sommeil. Le diable travaille comme ça. Et ce qui est dangereux, je vous le prends là où la Bible déclare. La Bible dit, attention, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Quand on parle de forteresses, moi j'ai vu des forteresses à Martinique. Là on appelle Fort de France. Donc c'est vraiment comme le bunker, il y a des murailles bien protégées contre les bombardements. Un mur infranchissable. Mais la Bible a dit que les hommes avec qui on a réussi, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Mais ils sont poussés pour renverser ces gens de contraste. Maintenant, quand il a dit ça, j'attendais que l'apôtre commence à expliquer ses forteresses. Il touche un point où moi je ne m'attendais pas. Que je comprends que c'est vraiment une forteresse. Il dit, nous renversons. Je vois qu'il a commencé, nous renversons les dragons. Il dit, nous renversons les forts raisonnements. Le diable est dangereux lorsqu'il vous attaque avec les déosses. Le faux raisonnement. C'est tous des mariages, des filles, des églises. Le royaume tombe avant les faux raisonnements. Le diable est passé par la chute au fait. En donnant un mauvais raisonnement à Absalom. Avec les femmes de ton père, ainsi que les concubines, il a détruit toute une famille par des faux raisonnements. Lorsque le diable travaille avec des faux raisonnements, c'est dangereux. Et dans ce siècle, nombreux sont des faux raisonnements. Le diable sait. Je dois travailler dans le domaine de l'intelligence. Et dans le faux raisonnement qu'on appelle les nions. Pour votre bonus, avant de rester un peu de vous, avant que vous mettiez, je vous flash un peu sur les nions. La première personne qui a amené les nions, c'était le diable. Le diable était venu changer. On les avait, on a dit Adam, elle n'est pas mangé de fruits. Lui, il est venu, est-ce que c'est vrai vraiment? Vraiment, c'est ça. Il est venu avec les lions. Israël est parti en Babylone. En sortant, il y avait déjà des lions. Beaucoup de choses ont changé. C'était plus la même. Même leur langue avait changé. Si on amène les quinois pour rester pendant un siècle en Tanzanie, le lingala sera choisi. Voilà pourquoi nous parlons les mêmes français, même les mêmes lingala. Celui qui parle lingala de Kisangani a un autre accent. Il a d'autres terminaisons, d'autres finitions. Celui qui parle lingala de l'Angola, il a des exclamations différentes de nous. Bye. Toya. Il y a l'influence portugaise derrière. Israël a connu ça aussi. Le feu hébreu qui se parle à l'époque. Après la déportation, c'était pas ça. Il y a eu des changements. Et vous avez notre nuance. Les diables à travers des nuances. Et vous allez voir les sadducéens, vous allez voir les pharisiens. Ils sont dans les vents de lions.
Attention, l'autre nuance qui voudrait qu'il a créé, Simon le magicien. Simon le potassolo. Lorsque Simon le magicien a compris qu'on l'avait expulsé à cause de ça, parce qu'il a voulu donner l'argent pour avoir quoi? Pour avoir la puissance de communiquer l'esprit. Suivez-moi parce qu'il y a des gens qui disent quand on a déjà reçu le Christ, on n'est plus délivré, il n'y a plus de liens, tous les liens sont brisés. Simon le magicien a expérimenté même le principe de la nouvelle naissance. La Bible dit qu'il était le grand magicien qui bougeait Samarie. Mais il a cru à l'évangile de Philippe. Philippe annonçait Jésus. Cela veut dire que Simon le magicien avait cru à l'évangile de Christ. Et il avait reçu. La Bible dit lui-même se fait baptiser. Simon le magicien était baptisé. Il avait reçu la parole. Il avait accompli le principe de la nouvelle naissance. Mais la troisième des choses, la Bible dit qu'il ne quittait plus Philippe. Donc il était devenu son fils spirituel. Il était tout avec Philippe. Être avec Philippe, c'est la vie. Ils prient ensemble. Ils veulent voir Philippe faire des délivrances. Comment Philippe chasser les démons? Philippe les enseignait. Je pense peut-être aussi qu'il avait donné des responsabilités. Mais il avait une nature cachée. Lorsque les pères de Philippe sont arrivés, Pierre et Jean, c'est là qu'il a vu lui qui fut un ancien féticheur. Il a vu une autre spiritualité. Il a dit, prenez cet argent. Laissez-moi vous dire, il était riche. Donnez-moi cette capacité de communiquer ses esprits. Vous voyez, la conséquence de délivrance est achevée. Nous, nous avons des cas qui rebondissent même dans les ministères. Des tombés, on ne vous tombe pas. L'apôtre Pierre a regardé maintenant. Mais ça c'est l'enfant de Philippe. Comment tu vas sauver ton père? Tu viens nous demander ça. Donc si on lui avait donné ça, elle allait rivaliser Philippe. Ça montrait déjà qu'il voulait aller créer notre église après. Pourquoi il va demander ça? Pierre nous dit que ton argent pour lui avec toi. C'est à qui qu'on peut recevoir le nom de Dieu par l'argent? Mais qu'est-ce qui a fait tomber Satan? C'est les caractères commerciales. Il y a des choses qui l'ont fait tomber. Ta chance, ta sagesse, c'est ton commerce. Quand tu as l'aspect commercial, tu es trop dans ça. Ton management travaillera de cet aspect. La plupart des pères qui ont des études, qui ont compris des enseignements sur le management, qui ont vu les livres de management, la plupart sont des occultistes. Il y a même des gens qui ne prêchent plus l'évangile. Le management du début à la fin. On peut demander de délivrer mais de devenir riche. Mais pas d'aller au ciel. C'est ça le danger. Écoutez maintenant ce que Jean va dire, ce que Pierre va dire à Philippe. Je vois en toi tu es dans un lien de l'iniquité. Il était baptisé non? Il avait reçu les questions. D'où lui venait ce lien? Qui est dans le lien de l'iniquité et dans le fiel la mer? Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Plus Dieu sera possible de te pour quitter. Après ça, Simon le magicien avait quitté. C'est là qu'il était en train de faire aussi son œuvre. Il a emporté les gens. Il avait déjà la soif de diriger. Quand un enfant a déjà la soif de diriger, il devient immaîtrisable. S'il revient encore à tes pieds, c'est Dieu qui avait ça. Dans les principes de la royauté, lorsque la force se programme, le roi se détache. David a appris qu'Absalom a dit qu'il était devenu roi. David a dit à ses gens, fuyons. Celui qui s'est dit déjà roi, tout celui qui va chercher à l'empêcher, mais son père va le tuer. Il devient déjà meurtrier. Il a la décision derrière ça, il a déjà l'épée.
Et c'est comme ça. Et ça. Vous allez remarquer que Pierre, à l'époque de Paul, Paul parlait aussi de faux apôtres. Comment ces apôtres ont été faux à ce temps primaire? Comment ils avaient été faux? Ils étaient sous de quelle doctrine, de quelle grâce? Pourquoi l'apôtre va dire ils sont apôtres? C'est Paul qui dit ils sont apôtres, je les suis en parole, en action. Pourquoi l'apôtre de Paul disait ça? Dis ça que l'apôtre Paul parle à de ceux-là, à de ceux-là avec qui ils s'opposaient. Écoutez, excellent ministre de Dieu, je vous ai pris tous ces temps-là pour vous amener quelque part. Dans cette affaire, il ne faut pas être trop pressé. Tu cours pour qui? Tu cours derrière qui? Ne fais pas ton ministère à se comparer des autres. La réussite de ton fils n'en a mille pas ta réussite. Je connais un pasteur. C'est son fils spirituel qui était plus riche. Lui était encore à terre, c'est le fils qui lui donnait l'argent. Aujourd'hui, il est 10 fois plus riche que son fils. Il y a des gens qui ont réussi la vie à 30 ans. Ils sont morts à 37. Quand on réussit la vie à 57 ans, ils ont aujourd'hui 70. Il ne faut pas aller dans des comparaisons comme ça. Reste spirituel. Et Dieu te créera. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Dieu pour lui. Je suis en train de parler. Avant toute chose, je dois parler avec vous sur certaines réalités. Et dans ces réalités, je voudrais que Dieu t'aide à comprendre certaines choses. Écoutez-moi très bien. Lorsque je parle de la spiritualité, l'étanger. D'abord, parce que je suis dans la définition, je finis aujourd'hui. Je suis dans l'introduction. Pourquoi? Pourquoi ou quel est le danger? Ou quels sont les dangers? De manquer la spiritualité. Ça, c'est très délicat. Écoutez, première des choses. Parce que quand je parle du danger, je parle aussi de l'importance. En qualité de chef spirituel, établi selon les esprits pour diriger les hommes et les esprits, pour naviguer dans le domaine de l'esprit. Si on n'entre pas, on ne connaît pas la spiritualité, on est en dehors de son domaine. On est en dehors de son domaine. Comment un chef spirituel? Prenons l'exemple du chef coutumier d'abord. Il maîtrise son territoire. Les règles et les principes de son territoire. Il est là, il gère. Mais comment il va-t-il, certains éléments de son territoire vont-ils l'échapper? Suivez très bien. Un chef spirituel, le chef gère, il dirige, le chef conduit, le chef sanctionne, c'est le chef qui dirige. Il a le devoir de protéger, il veille. C'est ça un chef. Mais attends. Mais c'est le chef qui dirige. N'est-ce pas qu'il est écrit? Obéissez à vos dirigeants. Car il veille sur vos âmes. Vous êtes où nous sommes des veilleurs. Des âmes. Attends. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vendent les âmes? Mais les gens qui mangent les gens la nuit. C'est l'exemple de tout. Il dit à Pierre, le diable t'a réclamé toute la vie pour te cribler comme des froments. Mais je priais pour toi toute la vie pour que ta foi te défaille moi. Christ a
alors que Pierre dormait. Mais comment il a vu ça? Le travail du diable ou la démonie a mené contre Pierre, c'est passé quand et dans quel plan? Ça, c'est un exemple. Il dit, c'est le Dieu fait, vous le faites. C'est une chose. N'est-ce pas qu'il y a des fois nos enfants spirituels qui font des rêves? Papa, j'ai rêvé. J'étais dans un combat. Et toi, tu es venu me délivrer. Papa, j'étais malade. Je te vois en vision. Tu me donnes un médicament. Ou tu pries pour moi. Et je me suis rétabli. Oui ou non? Et si toi tu n'es pas dans la spiritualité va te dévancer. Parce que l'église est combattue par le spirituel. Mais comment est-ce qu'un homme de Dieu qui est chez le spirituel va ignorer la spiritualité? Les gens veulent rendre toutes choses ordinaires. Ils veulent enlever les caractères spirituels dans toutes choses. Non, la Sainte-Seine, c'est rien. Les gens parlent de guérison. Et de la Sainte-Seine, ce n'est qu'un symbole. Mais si tu dis ça, je regrette ton ignorance. Écoutez, apprends ceci. Dans le sacerdoce, la force, la puissance de la divinité passe par le symbolisme. Si ça ne passait pas par le symbolisme, le Christ n'allait pas symboliser le vin à son sang. Voici ce vin qui est le symbole de mon sang. Voici ce pain qui est le symbole de mon corps. Mais papa, le pain se fabrique dans les boulangeries. Les vins, on les fait par la science vignoble. Mais rien que ce vin qui peut arriver. Tout le monde peut le boire, même un fou. Mais à cause de ce que ça peut représenter dans les sacerdoces, ça prend une autre forme. Et cette forme-là est suivie des conséquences qui peuvent être positives ou néfastes. Je m'explique. N'est-ce pas qu'il est écrit? À cause de partir la Sainte Seine, une conscience impure. Nombreux sont devenus malades, d'autres infirmes, et d'autres sont morts. La Bible dit plusieurs sont morts. Je n'ai pas de questions. Prenons l'exemple de l'église primitive. Le cas de la mortalité dans l'église primitive, c'était la Sainte Seine. Je n'ai jamais vu à l'église primitive qu'on dise que nombreux sont morts ou d'autres choses. On a bien donné ses affaires. Mais on parle ici de l'église. L'église qui est mise à part. Où le nom de Dieu est invoqué. Et parmi vous, les affaires. Attention. Ça, ça changeait ma lecture. Des choses. On passait les infirmités venues tous les démons. Comment vas-tu délivrer celui qui a l'infirmité qui vient de la Sainte-Seine? On croit que toutes les maladies venaient de démons. Mais d'autres sont malades. Ils sont devenus malades. Même dans le Nouveau Testament, il y avait des mauvais sorts. Est-ce que ces choses se passaient au temps de la loi ou bien au temps de la grâce? Lisez bien la Bible, ne vous emportez pas par le message qui vient des endroits que vous ne connaissez pas. L'apôtre Paul était clair. C'est pourquoi parmi vous, d'autres sont malades, d'autres infirmes, et nombreux. Quand il s'agissait de la mort, ou quand il s'agissait de la mort, il a dit nombreux. À cause de l'inconscience. Dites amen, église. Chef spirituel. Quand tu ne connais pas la spiritualité, tiens bien pour moi. Tu ne sauras pas te contenir. Tu crois que filmer du chanvre est un moyen d'être fort. Tu vas tomber dans les pieds d'avoir des mauvais exemples, des mauvais modèles. Tu vas imiter les païens. Tu vas être comme eux. On sent en toi aucune personnalité de l'homme de Dieu. Dans la spiritualité, nous avons nos modèles. Je
me réfère à Abraham, je me réfère à Élie, je me réfère aux gens de la Bible, à Samuel. Mon modèle n'est pas Cristiano Ronaldo. Mon modèle n'est pas les musées du monde. C'est là le problème. Amen et nous allons plus. Écoutez-moi. Yokanda. Deuxième chose. Et l'homme a dit Malé. 1 Corinthiens 4:1. Malachie 2:7. Lis-moi un peu Malachie 2:7 rapidement. Malachie 2:7. Malachie 2:7. Que dit la Bible? Bible est le Bible. La Bible dit quoi? Bible est le Bible. Oui. Parlez un peu à haute voix, s'il te plaît. Car l'œuvre du sacrificateur doit garder la science. L'œuvre du sacrificateur doit garder la science. Oui. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Il n'y a pas un sacerdotal que la Bible conseille d'être sans science. Et ça, c'est la 1 Corinthiens 4:1. 1 Corinthiens 4:1. Suivez ça très bien, comment? Qu'est-ce que dit la Bible? 1 Corinthiens 4:1, la Bible dit. Oui. Ainsi, quand on regarde comme le serviteur de Christ. On nous demande ici double regard. Ainsi qu'on nous regarde comme le serviteur de Dieu. De serviteur de Christ. Qu'on nous regarde comme serviteur de Christ. Quand on parle serviteur de Christ, on précise quelque chose. Quand on dit serviteur de Dieu, on parle même dans l'Ancien Testament, il y en avait beaucoup. Mais serviteur de Christ, on parle de nous qui sommes les fruits des temps apostoliques. Premier regard. Regardez comme serviteur de Christ. Et l'église est encore. Deuxième chose. Comme dispensateur des mystères de Dieu. Dispensateur veut dire distributeur. Celui qui est dispensateur, c'est lui qui distribue. Comment quelqu'un va distribuer des choses qu'il n'a pas reçues? C'est ça l'étendue de la spiritualité. De marquer la spiritualité. On est dispensateur. Le mystère de Christ. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, il y en a plein. Mais Dieu nous établit. Chacun selon sa particularité, la portion qu'il a reçue. Il vient distribuer à l'église. Il distribue au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Autre chose. Trois. Le danger de marquer la spiritualité. Ça, c'est le danger même de présenter l'évangile. L'évangile que nous présentons, nous sommes en train de présenter un royaume. Nous prenons un royaume. Et c'est un royaume qui s'impose sur notre royaume. Cela veut dire la présentation de ce royaume va créer des violences, va créer des contradictions. On ne peut pas présenter ce royaume calmement comme les gens veulent plaire aux francs-maçons. Non, ne fais pas ça, non. Vous chassez trop de démons. Non, ce royaume-là, ne nous parlez pas de la guerre douce. Mais ici d'abord c'est la contraction de force. Nous présentons un royaume qui s'impose. Le roi des cieux est venu vers nous. Imposons ce royaume. Et quand on annonce ce royaume par Jésus Christ, nous voyons comment il s'impose sur les démons, sur les maladies, comment il libère les esprits en prison, les fils emprisonnés. Comment va-t-on manquer la spiritualité? Attention, qui paiera dans la maison des noms plus forts sans le lier? Lui-même a rentré dans ce monde, deux entrées,
il y avait des combats. Il rentre dans le ministère, dès l'entrée, son peuple de jeunes de 40 jours, il croit que Dieu m'était. Il nous dit, soyez courageux car j'ai vécu. Il nous laisse même en disant les signes qui commandent ceux qui m'auront cru. Tous ceux qui croient ce royaume ont d'office des signes qui doivent les accompagner. Chasser les démons, guérir les malades, ce sont des signes d'office. Je ne vois pas comment les gens veulent changer. Je ne sais pas si c'est anormal. Ils veulent changer les choses. Dans ce royaume, c'est comme ça. Qui vient parler de Jésus qui répare. J'ai dit à quelqu'un qui disait, il y a des endroits, vous savez, ce n'est pas de Jésus, on peut te chasser. Parlez seulement de Dieu. Parlez seulement de Dieu. Est-ce que toi, tu as déjà vu là où on chasse les démons au nom de Dieu? Est-ce que Dieu était sans intelligence de nous donner un nom au-dessus de tout nom? Amen. Écoutez, si vous voulez m'écouter Jésus, je parle de Jésus, que tu écoutes ou pas, c'est Jésus ou rien. Et le jour tu comprendras, tu vas te rallier. L'apôtre n'a pas changé le nom de Jésus à cause de l'hypocrisie ou à cause de présence de certaines personnes qui ne marchaient pas avec cette réalité. L'évangile, c'est l'imposition, c'est la guerre. Les rois appartiennent aux violents. Il faut savoir fonctionner par rapport à ça. Écoutez, j'ai venu dans la quatrième des choses où j'ai connu dans la même pensée. Ça dépend de là où tu es établi. Daniel était établi où? N'est-ce pas à Babylone? Hein? Joseph était établi où? N'est-ce pas à l'Égypte? Comment peux-tu manquer la spiritualité? Dans ce monde comme ça. On a tout fait, même quand Daniel s'est caché. Parce que la loi des Médos et des Perses était là. Il priait en cachette. Les gens ont cherché à l'accuser par rapport à sa loi. Par rapport à son fonctionnement. Et c'est là que le roi a reconnu qui était Daniel. Écoutez, nous devons comprendre ces choses. Lis-moi un peu. Psaume 105, 17 à 18. Suivez rapidement. Je vous donne une pensée. Rapidement. Psaume 105, 17 à 18. Qu'est-ce que dit la Bible? Joseph fut vendu comme esclave. Non, n'interprète plus, toi qui sais pas. 18e. On serra ses pieds dans des liens. On a serré ses pieds dans des liens. On les mit au fer. On les mit au fer. On continue. 19e. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel éprouva. Le roi fit ôter. Les lois furent ôtées ses liens. Le dominateur du peuple le délivrant. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Seigneur sur sa maison, gouverneur de tous ses biens. 22e. Afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Écoutez, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Et qu'il enseigne la sagesse, la spiritualité à ses anciens. 23e, merci. Tu peux t'arrêter là. Joseph avait quel âge? Joseph Azalaki n'a mou la bonne. Est-ce que toi tu connais l'Égypte? Yoye l'Égypte. Le passé du mysticisme. Passé ya misala ya solo. Et ce n'est pas de côté qui est à côté du roi. Des astrologues, des augures, des témoins, les hommes plus puissants à côté du roi. Mais la dimension de la spiritualité de Daniel.
de Joseph, pardon, a fait en sorte que qu'il puisse les coacher et les enseigner la science. Jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé les formules de pyramide. Les anciens de Pharaon connaissaient ça. Mais Joseph est monté au-dessus. Il les a enseignés. Ils étaient là étudiants devant la dimension de la spiritualité de Joseph. Mais Joseph avait quel âge? Daniel à Babylone, chef des magiciens, des astrologues, des défunts. Voilà là où Dieu place sa spiritualité par rapport à la toute spiritualité du monde. Écoutez, sans la spiritualité, il y a un grand danger dans l'évangile. Il y a un grand danger. Écoutez, c'est qu'il y a un grand danger. Lorsqu'il n'y a pas la spiritualité, il y a la fausseté qui prime. Aujourd'hui, si vous regardez sur terre, les faux dominent les vrais. Ce qui est bizarre, même les hommes de Dieu l'acceptent aujourd'hui. Parce qu'il s'est dit, au lieu de mourir de faim, j'ai fait mes montages, j'ai ma voiture et j'ai ma foule. L'objectif, c'est la foule et le matériel. Il y aura un jugement. Si tu m'invites dans ton église, ne m'attends pas à coopérer avec toi pour falsifier les choses que tu fais. Il m'est difficile, j'ai navigué depuis ma jeunesse, j'ai croisé les entités de ces pays, ils m'ont reçu, ils m'ont respecté, ils m'ont donné ma place. Je n'ai pas fait ça. C'est maintenant que je vais aller faire ça pour avoir quoi. Et où t'as qu'à la moindre la salle à côté, ici qu'à la table à ma condition, ici qu'à Nioso, la salle à moi, je te donnerai un conseil. La copine, ça ne cherche pas un respect qui n'est pas ton respect. Une considération qui n'est pas à toi. Qu'est-ce qui fait plonger les gens dans les montages? Tel voit que les gens ne respectent pas les normes de la spiritualité. Les principes et les lois, ils n'arrivent pas à l'entrée dedans. Ça, c'est loin de Dieu. Et ils travaillent, il n'y a plus de résultats. Ils doivent mentir. Je m'avais vous dire une chose entre parenthèses. C'est ce qui a fait que beaucoup à un moment donné m'avaient fui. Lorsque j'enseignais, c'est le dérapage dans les sacerdotes. Je m'avais vous dire, dites-moi une seule fois. Là où dans la Bible, l'esprit du prophète a accepté la fausseté. Montre-moi. Là où l'esprit du vrai prophète a été un esprit complaisant. Montre-moi là où il y avait le même esprit du prophète véritable qui acceptait la vie des boîtes de nuit. Nous n'allons pas peut-être vous plaire, mais ceux qui vont vous plaire vous conduisent à la mort. Si ils emboîtent dans ces pas, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pendant le temps. Mais la mort arrive de façon à nous prévient pas. Et tu as le temps de tout voir maintenant que tu vis. Écoutez-moi. Vous devez savoir autre chose. Plusieurs fois, à cause de ça, suivez-moi très bien. D'autres commencent à aller chercher Dieu ailleurs. À part le montage, les gens veulent toucher à l'occultisme. Parce que vous devenez envieux. Tu as vu celui qui vient de 4-4 ans, pâté. Tu deviens comme un enfant. Parce que tu as vu quelqu'un qui a dit, je viens des États-Unis. Tu crois que tu ne respectes même pas la parole qui vient du ciel. Mais tu as peur de celui qui vient des États-Unis. Et tu vas te lui dire, ouvre-moi nom. Ouvre-moi les clés. Ouvre-moi. Et il va trouver des clés sans prière, sans Bible, sans Jésus. Et tu crois avoir reçu. Tu es mort. Aux
Merci. Les gens vont toucher des choses. Autre point. À cause de ceux qui sont ignorants, ils éprouvent facilement la mauvaise doctrine. Parce qu'ils n'ont pas bien compris la spiritualité. Dans leur dimension de l'incompréhension, on leur présente des choses bizarres. Et continue à croire. Ils croient. Un petit est venu me voir. Vieux, on m'a dit pour bien prophétiser. Je dois aller chercher la tête de l'aigle. Prends de ses yeux. Mélange avec de l'olive. Et ouindre mes yeux. Je verrai comme l'aigle. Est-ce que l'aigle voit comme Dieu? Les gens regardent des choses comme lui. Dans peu de temps, vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues. Vous allez voir des autres pas dans marcher avec des pierres dans la poche. L'autre a des opérations miroirs. Il ne prêchait pas miroir. On va voir des choses incroyables. Et si tu es un homme qui est sans personnalité, tu seras la première proie. Attention. Attention. Non, il y a des gens qui prennent le miroir physique. Tu vois. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Babylone, les Assyriens, les sommes anciens, quand ils prenaient l'eau, ils mettaient dans la bassine. Ils voyaient des choses. Il y a des pratiques qui peuvent paraître semblables. Dieu aussi peut travailler. Mais je veux que dans ton cœur tu sois véritable. Écoutez-moi. Lorsque Dieu ne t'a pas donné cette mission-là, pourquoi tu veux le faire? Toi, tu vas voir l'onction comme, par exemple, un tel. Parce que lui, il a marché sur les autres mains. Mais toi-même, s'il n'y a pas de raison, tu vas chercher un caniveau pour marcher sur les autres. Vous savez là où nous sommes. Il y a toujours des gens qui vont mal comprendre les choses. Quand on est encore jeune dans la foi, je vais chercher un ami, cet ami, on prie avec lui. Depuis que je l'ai cherché, j'étais chez lui en train de l'attendre. L'ami ne sortait pas, il était à la salle de bain. Je vois l'ami sortir mouillé. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il était pour 6 heures. Je suis un jeune de 7 jours. Je remplis l'eau sur le baignoire. Quand je me tiens, je m'enfonce. J'ai essayé ça même sans fond. Donc je voulais avoir la dimension de Jésus-Christ pour marcher sur les eaux. Jésus l'a fait combien de fois? Il a fait ça à l'occasion de quoi? Est-ce que chaque fois qu'il était au bord de la mer, il marchait seulement sur la mer? Grandir dans la spiritualité de sacerdoce. Les vrais, les grandes personnes dans qui sont de la spiritualité, ils n'ont pas d'orgueil. Ils font pas pour prouver aux jeunes. Je connais un garçon, mais à son âme, très puissant. Non, ce garçon avait une option, moi je croyais à son âme. Il était dans un programme. Vous savez, il y a certains jeunes gens. Quand vous allez prêcher, fait qu'ils ont l'esprit de se rivaliser aujourd'hui. Et de commander qu'ils prennent des choses pour sauver. Mais forcément, la publicité de leur personne. Les gens sont en acclamant, mais chaque personne qui sort de là reste vide. L'autre est rentré. On va montrer aux gens que nous on a l'option. Il a donné 3, 4, 5 prophéties. Parce qu'il savait que cet homme était là, que Dieu utilisait pour ça. Cet homme a pris le micro. Il a dit, je crois qu'on va s'arrêter ici, c'est que Dieu a fait bon. Dieu n'est pas un Dieu de compétition. Moi je vais assigner deux personnes. Prions. Les gens sont partis. Le lendemain.
quand tu étais venu, vous sentez Dieu descendre de la salle. Et à la fin, quelle humilité. Et il est parti. Moïse n'était pas obéi. Être pur de caractère et être orgueilleux, c'est deux choses différentes. Qui? Je n'ai jamais vu pour prophétiser, dire aux gens, écoutez, moi c'est pas des patronages, moi c'est. Non. Écoutez, tu peux faire ça contre des prophètes de Baal. Là, tous les coups sont permis. Mais pas tes propres frères. Vous savez le même esprit. Vous défendez la même cause. À quoi ils sont de niveau? J'ai vu trois jeunes qui venaient me voir, patriarche. Assez pour ça. Dieu me disait non. Non, ils ne sont pas prêts. Lorsque vous donnez à un homme qui a reçu la formation de garde du corps, le pistolet, si bien que ça soit une arme mortelle, mais c'est comment l'utiliser. Lorsque vous donnez à celui qui n'avait pas été formé, vous apprendrez qu'on a braqué des mamans ici dans la nuit au marché. Et on a dépouillé des gens. On a pris leur mallette d'argent. C'est la même arme. Mais ça dépend de l'utilisation. La spiritualité, c'est comme ça. Aujourd'hui, après avoir vous dit des choses que vous devez retenir, les 7-4 choses que j'ai touchées dans la définition, qui faisaient partie, qui touchaient les grands points dans la définition, il y avait la discipline, la science, le mystère, le loi, le fonctionnement et le plan. Les plans qui sont des espaces. Donc ça veut dire que quand j'ai donné la définition, je parlais, c'est la discipline. Mais je parle de la science. Là, notre fille nous va en lire Daniel 5, 12. Je parlais, je parle de la science. Écoutez, je parlais aussi de la sagesse. La science, la sagesse et le mystère, le loi, les fonctionnements et les plans qui sont des espaces par lesquels ces choses passent. Ce sont des choses que tu dois retenir. Là, on parle de la spiritualité, pense déjà qu'il y a des disciplines derrière, pense déjà qu'il y a la science de Dieu. Pense déjà. Que la sagesse divine telle que j'ai définie ici hier. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas pour répondre aux énigmes. Mais il y a plusieurs capacités de la sagesse. Et plusieurs explications de la sagesse. Il y a des lois. Les lois gèrent le fonctionnement. Mais les lois ne sont pas d'abord des fonctionnements. On fonctionne par rapport à des lois. Donc il y a le loi, il y a le fonctionnement. Comment fonctionne la spiritualité? La spiritualité fonctionne par rapport à des lois. N'est-ce pas qu'il a dit, connais-tu les lois du ciel? Règle-tu son pouvoir sur terre? Comprenez ça? Le fonctionnement. Comment la spiritualité fonctionne? Il y a des règles. Il y a des principes qui sont aussi comme des lois. Mais la manière dont ça fonctionne, quand ça ne fonctionne pas comme ça, quand ce n'est pas présenté de cette manière, il y a des clics. Il y a dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui va déranger. Et le plan. Je suis dans quel plan? Parce que les lois là, il y a les lois du ciel, vous savez. N'est-ce pas qu'il y a les lois de la terre? Qui sait qu'il y a aussi les lois de la mer? Qui sait qu'il y a aussi les lois dans le royaume des mondes, des morts? Il y a aussi des lois comme ça. Quand on dit que là où vous avez le nom, il y a une grande, il y a les abîmes. Il y a des abîmes. Il dit non, dis à mes frères là-bas. Que quelqu'un aille les enseigner. Il dit non, c'est difficile. Personne ne va s'en saisir pour aller là. Il y a des lois. Chaque monde,
Chaque espace a des lois. C'est pourquoi je vous dis à partir de demain, vous rentrez dans une phase dangereuse. Parce qu'on va vous expliquer même les lois de la mer. La mer a des lois. Écoutez, je vous pose une question. Sur la terre, on marche comment? N'est-ce pas comme ça? Hein? En pleine mer, on marche comme ça. Là, on intervient le même. On change. Maintenant, dans les airs. Ceux qui sont dans les airs marchent, on marche aussi comme ça. Hein? Maintenant, sous la terre. On peut marcher. Mais comment marcher dans tous les plans? Mais le cas, la Bible dit. On sonde même les profondeurs de Dieu. Quand on parle des profondeurs, c'est qu'il y a des superficiels. Il y a aussi des profondeurs. Tout le monde dans l'eau, là où c'est superficiel, c'est au bord, au près du bord, on marche normalement. Mais dans la profondeur, si tu n'as pas appris à marcher dans l'eau, tu vas te noyer. Il y a une manière de marcher dans la profondeur. La spiritualité a des lois. Quand on parle des lois, ce sont pas d'abord des décalogues. Ce sont les lois qui gèrent le fonctionnement. Qui engage les principes de fonctionner. Qui a dit amen? Amen. C'est le petit amen qui reçoit sa grâce. Amen. Dites amen, je vous dis une chose. Amen. Il y a lieu ici d'insister sur un détail dans le peu de temps qui me reste. Je parle encore de la science. Je vous ai parlé de Luc 19. C'était Luc combien? 11:52 je crois. Hein? Luc 11:52. On parlait des maîtres de la loi qui avaient ôté la paix de la science. Je dirais à ma fille de nous lire. Proverbe 1:29. Proverbe 1:29. Suivez d'abord, parce que je suis touchant pour un peu la science pour aujourd'hui, mais libérez parce que permet nous rentrer dans des origines. Allez-y. Proverbe 1:29. Oui. Parce qu'ils ont haï la science. Oui. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Oui. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Oui. Et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimands. Ils se nourriront du fruit de leur bois et ils se rassasieront de leur propre conseil. Écoutez-moi. Quand vous niez la science, vous refusez la science, vous haïssez la science, c'est compliqué. Avant de toucher la polémique, je vais qu'on nous touche encore. Job 21. Le verset 22. Verset 22. Job 21, verset 22. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? À lui gouverne le district céleste. Est-ce que c'est à Dieu qu'on donnera la science? À lui qui gouverne les esprits célestes. Ça veut dire qu'il est gouverné par sa science. Comment on peut donner une science à une telle personne? Donc c'est à lui qu'on donne la science. Allons-y dans Job 37. Job 37. 16. Verset 16. Que dit la Bible? Oui. Comprends-tu le balancement de nuée? Comprends-tu le balancement de nuée? Le merveille de celui dont la science est parfaite. Ah! Le merveille de celui dont la science est parfaite. N'annule pas la science parfaite à cause de fausses sciences. Parce qu'il y a des chrétiens, quand on parle de la science, ils te taxent des magiciens. Pour eux, la science ne dit science aucune. Non. La Bible dit le balancement du nier. La sagesse de celui dont la science est parfaite. Une science parfaite n'est pas une science aveugle. Qui a dit amen? Amen. Ce n'est pas fini. Les choses ne font que commencer. Prenons Proverbe 9:10. Que dit la Bible? Non. Prends Proverbe 30, verset 3. Que dit la Bible?
Proverbe 30, verset 3. Je n'ai pas appris la sagesse. Écoutez, je n'ai pas appris la sagesse. Et je n'ai connu pas la science des saints. Je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas la science des saints. Et quelle est la science que toi tu diabolises? C'est la science de qui? La spiritualité, la science des saints. L'évangile pour les petits enfants. Ah! Il s'est senti stupide. Il n'a pas pris la sagesse. Il n'a pas eu la connaissance de la science des saints. Qui sont ces saints-là qui vont enseigner la science? Quand on parle des saints, il y a deux dimensions. Il y a des êtres spirituels qui sont des saints. Qui ont appris à côté de Dieu. Il y a des saints hommes de Dieu qui ont travaillé. Et ils ont travaillé la science de Dieu. La science des saints, ce n'est pas la science des païens. Ce n'est pas la science des méchants. C'est la science. La spiritualité divine. Les sacerdoces. L'intelligence qui te passe de niveau. Ah. Prenez-moi Daniel 5, 12. Daniel 5, 12. Prenez-moi Daniel 5, 12. Come on. Daniel 5, 12, c'est le nom de Jésus. Oui. Parce qu'on trouva celui, oui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, oui, un esprit supérieur. On trouva à Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit comment? Supérieur. Un esprit comment? Supérieur. Si on traite un esprit supérieur, c'est qu'il y a des esprits comment aussi? Ça veut dire qu'il y a des esprits inférieurs. Pour que Daniel puisse avoir un esprit supérieur. Mais parce qu'il avait la science des saints. De la science et en tout cas Daniel, écoutez les choses qu'on a trouvé chez Daniel. Ce que toi tu refuses. On a trouvé Daniel 1, l'esprit supérieur. De la science et l'intelligence. De la science et de l'intelligence. Droit à la faculté. Écoutez-moi. Les hommes de Dieu travaillent au sein de la science. Mais cet esprit a pris la science. La science n'est pas, c'est pas histoire, c'est pas géographie. Je parle pas encore de la botanique. Je suis dans la tête de prendre de la science des saints. La science des saints. Là où la science anatomique s'arrête, botanique s'arrête, la science des saints coordonne tout ça. Ça met ça ensemble. La science des saints cherche ces choses dans les sacerdoces. Ah! L'évangile n'est pas pour les petits enfants. D'interpréter le songe. La faculté d'interpréter le songe. Allez-y. D'expliquer les énigmes. Expliquer les énigmes. Et de résoudre les questions difficiles. Est-ce de résoudre les questions faciles? Non. De résoudre les questions faciles. Voyez la RDC. Voyez le monde. La question du monde actuel, c'est la question facile. Dans nos pays africains, vous qui me suivez à travers les autres. Vous qui me suivez en Haïti, en Amérique, vous qui me suivez en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Lomé, vous qui me suivez à l'Union soviétique. Et c'est la question actuelle. Mais on va répondre à des questions faciles. C'est l'homme qui avait l'esprit supérieur. On reconnaît ses qualités dans Daniel. Et on peut donner une réponse à ça. Tu vois ce qui marque à l'église? Nous crions toujours que c'est nous qui sommes dans l'église, qui avons les ministères glorieux. Daniel était dans l'Ancien Testament. Mais nous ici, il y a plus que Salomon. Le roi de la sagesse a été coiffé par Jésus. Mais lui qui est plus que Salomon, l'église c'est son corps. Salomon n'a pas vu Jésus comme ça. C'est fait de toi. Il a réussi en étant vivant. Lui qui a réussi la science. Il a réussi la sagesse. Mais ici, il y a plus que Salomon. La science des saints. Je parle.
science des saints. Quand tu parles de la science des saints, c'est la science sainte qui vient de saint, qui travaille pour les saints, qui travaille bien. Dans cette science, ça prend toutes les sciences. Les sciences du ciel, les sciences des planètes, là, la science de la terre, la science des eaux, la science des morts. Mais la science sainte est au-dessus de ça. Un roi est établi au-dessus de tous les pays. Mais c'est un roi qui vient de mettre l'huile sur la tête. Aucune personne ne peut voir au-dessus de la tête d'un roi. Seul le sacerdoce monte au-dessus du roi. C'est la spiritualité. Ta place n'est pas dans la flatterie. Tu deviens un prophète engagé au dedans des salaires. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas un prophète comme ça. Le prophète devait faire l'audit au roi. Lorsque le roi voit les prophètes, le roi tremblait. Mais toujours, ce qui a combattu les sacerdotes et les prophétiques, ça a toujours été les rois. Et grâce à qu'il fut comme Uri, le roi lui dit, fais-moi un hôtel tel que tu as vu en Syrie, un hôtel occulte, un hôtel de l'ésotérisme. Toi, tu me dis de le faire. Il a donné des paquets d'argent. Et Uri a fait ça. Uri s'est trahi. Cet hôtel était un signe d'abomination pour Israël. Et des prophètes forts, puissants, mettaient comme un accord. Ils deviennent des atalakos. Cela veut dire, pour ceux qui, excusez-moi, devant parler en arabe, ils deviennent des fanatiques. Voici là où les dieux descendent trop bas. Dans l'histoire depuis Rome et plus loin, on a connu l'histoire des papautés et des royautés. Ils imposaient les gens qui les voulaient. Ils imposaient ce qu'ils voulaient. Mais la science de ça. Vous n'avez jamais vu un homme de Dieu. Même ceux qui me suivent au travers des gens. Tu as un cas devant toi. Dieu te dit. Prends le sel. Mélangé. Avec de lui. Ouais quelqu'un. Il reçoit la guérison. Qui a déjà expérimenté ça? Voilà, ils sont nombreux. N'as-tu pas d'abord vu? Tu travailles. Dieu te dit. Mélange le vin. Avec de l'eau. Asperge. Qui a déjà expérimenté ça? N'as-tu pas d'abord vu? Dieu te dit. Cet enfant de la sorcellerie. Donne-lui la sainte sainte. Tu te dis, oh, l'enfant n'est pas baptisé. Attention, attention. Dans la salle des saints, l'esprit prend la place. La sainte sainte est de deux manières. Ça se prend d'une manière doctrinale et ça se prend d'une manière prophétique. On a privé aux gens certaines choses. Il y a des sept scènes pour nous. Ce n'est pas de notre passé. L'Église a établi des choses. Et c'est Dieu qui nous avait inspiré. Mais attention. Et je vais aller plus loin. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà rêvé la nuit? Dieu lui dit, prends telle plante. Mélange telle plante. Donne à quelqu'un. Ou prends. Et il a pris ça, la maladie est finie. Qui a déjà vu ça? Voilà. C'est quoi? Quand on va le sel avec l'eau, allons dans la chimie. L'eau c'est H2O, non? H2O. Mais le sel c'est le chlorure de sodium. Vous voulez que je vous donne les tableaux de métaux ou de non-métaux? Fluor, brome, chlore, iode. Vous voulez que je vous dise ça? La science des saints. Monte au-dessus de tout fonctionnement. Attention. Attention. Écoute. Dieu t'avait dit quoi? Il t'avait montré quoi? La plante que Dieu t'a montré. C'était quoi? Lève-toi. Nous sommes à l'école. Ici, même si tu es gouverneur, tu dois te lever. Oui, vas-y. Hein? Va le
le micro. Papa, viens. Troisième personne, c'est qui? Qui a mis sa voix? Dieu lui a inspiré une plante. Il a donné une plante qui paraît comme un fétichère. C'est vous qui avez laissé les plantes au fétichère. Pas moi. La sagesse ne sera dans tout ce pouvoir. Allez-y. Il y avait une dame qui souffrait de la tuberculose. Une dame qui souffrait de la tuberculose, ouais. Elle était de la première dose, c'était déjà passé. Ouais. Deuxième aussi, il n'y avait plus de médicaments. Il n'y avait plus de médicaments pour son cas. Ok. Quand elle est couchée, oui. Dieu m'a dit de prendre des boules coutes. Dieu t'a donné de prendre des boules coutes. C'est des gens de tisane de chez nous. Et qui est comme les eucalyptus. Une sorte de fleur comme ça. Avec une sorte de fleur. Le même jour qu'elle a pris cela. Ou le même jour qu'elle a pris cela. Jusqu'à présent, elle n'a plus de médicaments et de médicaments. J'ai dit pour faire des sorciers, c'est moi qui l'avais dit de faire ça. Papa, viens. Mais lui, il en a plein. Les gens ne savent pas respecter les particularités qui se trouvent chez les autres. Il a envoyé quelqu'un qui avait la diabète à 500. Glycémie 500. Il est venu me dire, papa, Dieu m'a inspiré deux plantes. Il m'a donné une telle chose. Il a fait la personne guérir son cycle de développement plus 120 jours aujourd'hui. Ça, c'est l'insuline. La science des saints entre au-dessus des insulines. Allez-y. Oui, moi, c'était un empoisonnement. Un empoisonnement. Moi-même. Moi-même. Oui. Moi, j'avais été empoisonné. Ok. Moi, j'avais déjà souffert de ça. Ouais. Tous les symptômes étaient revenus. Ok. Alors, j'ai pleuré. Je n'ai même pas prié, mais j'ai pleuré. Ok. Pourquoi ça me revient? Ok. Alors, l'esprit m'envoie dans mon bureau. J'étais en train de méditer la parole. Oui. Alors, c'est là que Dieu m'explique, pas particulièrement une plante. Oui. Mais quatre choses qui sont dans la cuisine des femmes. Quatre choses dans la cuisine des femmes. La solution est avec vous, mais vous mourrez. La Sainte des Saints va t'aider à comprendre. Alors, j'ai appelé mon épouse. Oui. Je lui ai demandé, est-ce que tu as ça? Oui. Elle me dit oui. Est-ce que tu as ça? Oui. Oui. Est-ce que tu as ça? Oui. Est-ce que tu as ça? Oui. Amenez-moi. Mm-hmm. Quand elle est venue avec, elle voulait rester. Elle dit non, on ne m'a pas dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Ah. Sortez. Et donc, on m'a dit comment il fallait mélanger, quelle dose il fallait prendre. Voilà. J'ai mélangé. Dès que j'ai vu, à l'instant même, j'ai senti que c'était fini, que c'était fini. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Au Soso. Quelqu'un un jour, j'avais l'audit. Quelqu'un m'a dit, votre ami, tu as mis les médicaments, tu dis, c'est le papa. Prends tel plan sur la route. Deux jours, c'est fini. Écoutez, même celui qui a les VIH, la solution est quelque part. En Jésus-Christ, c'est la science des saints. Au-dessus de la médecine, mais perd pas la foi. Allez-y. J'ai souffert d'une maladie qu'on appelle le pancréas. Et j'ai souffert de ça pendant des années, des années. Ouais. Un jour, comme je suis l'ami du prophète Zilou, ouais, sur Facebook, Zilou, c'est mon frère. Ouais. Oui. Un grand prédicateur de l'évangile. Je lui ai expliqué mon cas. Oui. Il m'a instruit. Oui. Il m'a dit, tu prends le mien. Ouais. Tu vas aller prendre encore le ail là. Qui t'a dit ça? Tous les prophètes Zizi. Les prophètes Zizi nous ont dit de prendre le miel et l'ail. Et l'ail. Il m'a précisé l'ail en mot. L'ail indigène là. L'ail là du village. Quand je commence. On n'a pas de la où. Voilà. Quand j'ai commencé à prendre cela. Oui. Je me suis senti libéré. Libéré. Je suis allé même chez le docteur pour vérifier. Et le docteur m'a dit, ton pancréas est déjà fort. Et vous comprenez, le prophète Zizil nous l'a inspiré. Lui a donné quelque chose. Et il a réussi. Mais il y a des gens qui disent, on commence à donner l'ail aux gens. Oh, attention. Si toi tu n'as pas reçu quelque chose, c'est pas que tout le monde va passer par toi. C'est toi qui n'as pas reçu, mais l'autre a reçu. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Ça, c'est le temps de la gloire. Qui vivra la nouvelle saison dans la science de Dieu. Daniel a relevé le défi. Il avait la science de Dieu. Il était éliminé. Il avait cette science. C'est le temps de rentrer dans ça. Hey! La nature n'a pas été créée pour eux. La nature a été créée pour nous. L'homme a été la
femme à la fin. Si toi tu laisses ça au marabout, tu laisses ça au fétiché, sache que Salomon expliquait les âmes. Il a expliqué tout. Mais attention, Adam, c'est lui qui a nommé la création. C'est lui qui a donné le nom à chaque chose. Et Salomon donne l'expression à chaque chose. Et si toi tu ne sais pas, je te dis même au Nouveau Testament, la nature attend avec un état de désir la révélation des fils de Dieu. La nature n'attend pas avec un désir sain, avec un état de désir la révélation des fils de Dieu. Je t'annonce que ce temps est là, dans la spiritualité élevée. Dieu te parlera. Il peut t'instruire à travers une feuille, à travers un essai, à travers de tout. Question de rester véritable. Amen, je te dis une chose. Cette science est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Dieu travaille dans la science. Je voudrais m'arrêter en vous disant, préparez-vous demain. Car la science qui vient de Dieu sauve toujours, soutient toujours, monte au-dessus de la science. Attention, on a trouvé en Daniel l'esprit supérieur. Qu'est-ce qu'on va trouver en toi? Qu'est-ce qu'on trouve en toi? Qu'est-ce qu'on trouve aux autres? Et toi qui as l'esprit supérieur, comporte-toi à l'esprit supérieur. Celui qui n'accède pas à ce que tu dis, il peut être animé de deux ou trois choses. Ça peut être de l'ignorance. Ça peut être de la jalousie. Ça peut être, de la réclamation de ses arrières et de ses maîtres anciens. Ça peut être la réclamation de son arrière souche qu'il a tiré de sa vieille école. Il y a des gens, on les a mis des fondements de l'incrédulité. Et pour briser ça, ça prend du temps. J'ai vu quelqu'un qui prie avec l'huile d'olive. On lui montre les versets. Mais jusque-là, il n'est pas trop convaincu. Et puis avec l'huile d'olive, il a envie de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai prié avec l'huile d'olive. Parce qu'on l'a dit pendant 10 ans que c'était la magie. Et lui, il m'a prié avec l'huile d'olive. Il a toujours peur. Il est culpabilisé. Je vous dis, dans la spiritualité, il y a tout ça. Au-dessus de la science, de la sagesse, de toutes les lois. Je m'arrête ici à vous dire. La Bible dit, connais-tu les lois du ciel? Et rien que tu es au pouvoir sur terre, je parlerai des lois du ciel. Les lois de la terre, les lois des sous-terres et les lois de la mer. Je veux seulement qu'on a dans les écritures ensemble. C'est alors que le jour où tu vas te donner la peine de t'engager pleinement dans les écritures de la recherche, c'est le jour là où tu comprendras que beaucoup de ceux-là qui font des bruits ne méditent pas. Si tu regardes dans la vie de la méditation, tu te poses des questions. Mais ce que je lis ici, je ne le pousse pas dans un livre ordinaire, mais je le prends dans les écritures. Et tu vas dans les recherches, dans les étymologies, dans les textes originaux. On va me donner lui seconde depuis 1910. Parce que c'est lui seconde, là, quand on dit réviser. Toute révision n'est pas bonne. Il y a des révisions en mal et des révisions en bien. Parce que là, il y a aussi des erreurs. Quand on parlera de Sheol, on parle de séjour des morts, de l'homme riche et de Lazare. On va vous présenter deux Bibles. Lui seconde depuis 1910 ou 1910 et lui seconde révisé actuel. Vous allez voir la contradiction. Toujours dans la même maison, mais une grande contradiction. Ça, c'est le temps de rentrer dans ces choses. Béni Dieu, tu es dans le vrai. Que l'Éternel soit avec toi. Que ton ministère prospère. Lève-toi là où tu es. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Répète après moi. Éternel Dieu qui m'a choisi. Éternel Dieu qui m'a choisi. Toi qui m'as appelé dans le ministère. Toi qui m'as